genre pom-pom girl, esprit d'école et compagnie. Et je suis bien la dernière personne qu'on s'attendra à voir trôner sur ce char. Je sais ce que vous pensez. Cette grosse fille, reine de promo du lycée? D'habitude, ce titre est réservé aux plus populaires et brillantes d'entre nous. Je n'étais pas à ma place. J'étais à ma place nulle part. En terminale, quand ma mère s'est mise en tête de m'emmener visiter toutes les facs de la région, je voulais pas y aller. J'étais sûre qu'à l'université comme au lycée, je serais jamais que la grosse. Notre département science est très bien doté et ses résultats sont plus qu'honorables. Notre niveau en lettres est aussi très satisfaisant. C'est pourquoi nous figurons parmi les 100 meilleures universités publiques du pays, ce qui est excellent. Nos étudiants viennent de 14 pays différents et de plus de 30 états. J'avais besoin de changement. C'est une révolution qui m'attendait. Allez, bouge-toi. Faire visiter notre belle bibliothèque. Choquant. Les belles filles sortent avec les beaux gosses. Tiens, ton dossier d'inscription à la fac. Super, j'ai plus qu'à avoir de bonnes notes et à gagner au loto. On trouvera l'argent. Maggie. Quoi? Génial, t'es allée fouiller sous mon lit. Tu as envie d'en parler? 37 secondes chrono. C'est le temps qu'il t'a fallu pour me rappeler mon poids. Je suis dans mon bureau si tu me cherches. Je t'aime, chérie. Tu es jolie sur cette photo. Mais regarde-toi maintenant. C'est comme la guerre de tranchées. Il faut baisser la tête et attendre que ça passe. C'est ça qui t'attend. Enfin, c'est ce que dit Kazé, ma meilleure amie. Hé, hey, Maggie! Eh oui, c'est ça le problème avec les sportifs. Tout dans les jambes et rien dans la tête. Et un jour de plus au paradis. Pour certaines filles, le lycée, c'est comme une fête permanente organisée en leur honneur. Prenez Tara, pom-pom girl, princesse de la classe 3 années de suite. Il y a aussi Liz. Et Camille, les copines de son Altesse. Si vous regardez bien, vous apercevrez leur pro. Et leur pro préféré, c'est moi. Allez, Becker ! Lunaire ! Allez, courage ! On s'accroche ! Lunaire, Becker ! On y est presque ! Un petit effort, allez ! C'est ça, Lunaire, gros tas ! C'est bien, Maggie. Comme si j'allais me changer devant elle. Tout ce que je veux, c'est être invisible. Oh, je hais le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens écolo? Non, c'est l'humidité, ça me fait des frisottis. C'est pas vrai? Regarde, j'ai un bouton là. Stress pas, t'as été élue haut la main, princesse de la classe, pendant 3 ans d'affilée. C'est toi, notre future reine de promo. Oh, je t'en prie, il y a un fossé entre princesse et reine. Arrête, si t'étais encore plus parfaite, tu serais dans une boîte rose avec un poney. C'est ça, oui, et un palais enchanté. Attache-toi et cramponne-toi, on décolle. À plus tard, Kazé. Ça marche. Et tu connais la règle, alors pose ce truc. On mange quoi ce soir? J'en sais rien, ce que maman nous a laissé. Salut, chérie. Désolée de rentrer si tard.
Merci de t'être occupée de tout. J'avais le choix, peut-être. Oh, là, tu n'es pas juste. Tu sais que je me tue au travail. Mais que je n'ai pas les moyens d'engager quelqu'un pour... Maman, je suis parfaitement au courant de nos problèmes d'argent, mais... je voudrais bien avoir un peu de temps pour moi, quelquefois. Oui, je sais. Tu crois que tu tiendras encore un peu? Sarah veut m'emmener voir le dernier clowné et ça fait 6 mois que je ne suis pas sortie. Oui, bien sûr, pas de soucis. Oh, merci. Je t'aime. Mm. Du temps pour quoi? Tu n'as nulle part où aller. Allô? Viens me rejoindre au café Noisette. J'ai besoin de sommeil. Et entre parenthèses, toi aussi. Il faut que je prenne l'air. Si on faisait un truc ensemble ce soir. Ce week-end? Tu tiendras? Pas le choix. On se voit demain. Salut. Bonne nuit. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. T'as fini de voir de littérature hier soir? Oui, 2 pages sur 46. Dis donc, Kazé, ce soir, Ryan organise une petite soirée avant le bal du lycée et... Vas-y, fonce. Est-ce que ça te dirait de venir? J'y vais si tu viens. Ma mère bosse très tard ce soir. Mais toi, t'es libre, pas vrai? T'en fais pas, Devon, elle y sera. Dommage que tu doives garder Will. Ouais, mais vas-y toi, des fêtes, il y en aura plein d'autres. J'irai à celle d'après. Je ne te demande pas comment ça s'est passé. Oh, un pur bonheur, comme d'habitude. Oh, avant d'oublier, j'ai laissé sur ton bureau le dossier d'inscription à l'Université de Caroline du Sud. Comme si j'allais être prise à l'UCS. Aie confiance, Maggie, aie confiance. Bien sûr, je suis brillante, je suis belle, toutes les facs n'attendent que moi. À propos, je nous ai inscrites à un cours de yoga le samedi matin. Oui, je me suis dit que ce serait beaucoup plus agréable d'y aller toutes les deux. Traduction, tu veux que je fasse de l'exercice? S'il te plaît, viens au moins une fois. Maman, arrête avec ça. Comme tu veux. Il y a des lasagnes au congélateur pour Will. Et tu peux préparer une salade, je voudrais qu'il mange un peu de verre. Et je t'ai aussi pris un plat équilibré, du poulet ou quelque chose comme ça. Ça a l'air délicieux. Et... je t'aime. J'ai un dossier difficile à gérer au bureau et... ne te couche pas tard. Merci. Pizza Tony, bonsoir, je vous écoute. Je voudrais une pizza jambon ananas moyenne. Et alors, où est le problème? Je me sens... je sais pas comment dire. Torturée? Oui, l'arrête, je m'entends plus réfléchir. Désolée, j'ai un sauvage à la maison. Trouve une babysitter, il faut que tu m'accompagnes à cette fête. Kazay, j'ai vu le regard que Ryan a lancé à Devon quand tu m'as invité. Oh, Maggie, arrête. Je regrette, je... j'ai pas du tout envie de passer pour ta BA de la soirée. Écoute, Kazay, je te rappelle plus tard. Salut Krista, tu peux venir garder Will ce soir? Merci Krista. Ça t'ennuie pas si mon copain me rejoint? Non, pas de problème, génial. Allons-y. Wouhou! Ça va? Tu t'éclates? Attends, je vais nous prendre ensemble. Ça
Salut toi. Elle est très bien. Salut, ça va? Salut. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? L'audition pour la Garth Academy, c'est pas ce soir. Trop chou. Hey, Kazay! Tu tombes bien, je vais te faire écouter le morceau dont je t'ai parlé. J'arrive. Tu t'occupes d'elle? Désolée. À part ça, ça va? Tu t'amuses bien, Baker? Te fatigue pas, moi non plus, je peux pas t'encadrer, ok? Bon. Oh, doucement, fais gaffe. C'est chez ma mère ici, d'accord? Oh yeah, oh yeah. Hey, viens voir une minute. Oh yeah, here we come. Uh-huh. We try to switch my hips like this, like this. Watch them all go crazy when I switch my hips like this, like this, like this. Watch them all go nuts. Ain't that right, ladies? Now do it. Switch, switch your hips like this. Watch them all go nuts. Hey, Maggie, the sheep. Que pasa? Oh, toda esta gente está media frita. Muy bien, t'as progressé en espagnol. Gracias. ¿Por qué estás aquí? Oh, mon cousin est dans l'équipe de foot. Il m'a invité. Et toi, je te retourne la question. En fait, Devon essaie d'initier Kazay aux us et coutumes de la bonne société. Où est ton Roméo? Il est allé regarder une vidéo virale de Château Ivre. Et il m'invite à manger des sushis. Je suis pas sûre d'adorer ça. C'est l'invitation qui est importante. Bon, c'est sympa, mais il faut que j'aille me réhydrater. Tu lui plais, ça crève les yeux. Tu confonds. Ce qui lui plaît, c'est de parler en espagnol avec moi. T'as qu'à l'inviter pour le bal du lycée et risquer de faire fuir le seul garçon qui ose me parler? Non, merci. C'est qu'une petite tâche, on va pas en faire une maladie. Je sais bien que c'est pas grave, je veux juste frotter avant que ça sèche. Ça ira. Oh. T'es maladroite comme moi? Non. Moi, c'est mon t-shirt qui avait faim. Elle est bonne. Tu permets que je la ressorte? Pas de soucis. Oh. Bon, ça ira. Ça fera l'affaire pour l'instant. À tout à l'heure. Je trouve pas ça normal d'être aussi épanouie tout le temps. On dirait qu'elle s'entraîne à sourire pour le défilé. Cette fille est faite pour être couronnée. Elle a ça dans les gènes. Ouais. Si seulement une représentante des classes moyennes pouvait être élue. Une candidate du peuple. Une illustre inconnue comme moi. Tu imagines le pied? Je porterai une belle robe et une belle couronne, mais ça n'arrivera que le jour où Britney Spears aura un prix Nobel. Tu veux bien m'expliquer pourquoi j'ai surpris Krista et son petit copain en plein flirt sur le canapé du salon? Je devrais peut-être la payer le double. Comment as-tu fait pour la payer tout court, Maggie? J'ai pris mon argent de poche dans ta cachette. Et tu ne crois pas que le fait d'avoir de l'argent de poche implique d'assumer ses responsabilités? Tu veux dire tes responsabilités? Aux dernières nouvelles, Will est mon frère, pas mon fils. Je sais. C'est dur pour toi depuis la mort de ton père, ça l'est pour nous tous. C'est bon, ne me fais pas le coup de l'assistante sociale, je suis pas l'un de tes cas. Parfait. J'espère que tu t'es bien amusé. Tu es consigné une semaine. Elle est vraiment mignonne, Diana. Encore heureux après deux rhinoplasties. Oh, regardez, les garçons. C'est une catastrophe ambulante, cette fille. J'arrive pas à croire que Tara lui a adressé la parole. Non, c'est vrai. Et d'abord, qui l'a invité? Quoi, vous aviez pas capté? Devon essaie de se brancher Kazay. Maggie est pitoyable et c'est rien de le dire. Figurez-vous que cette espèce de folle s'imaginerait bien en reine de promo du lycée. Je sais, c'est dingue. J'ai une idée, on pourrait l'inscrire. Ce serait tordant. Attends, elle est géniale ton idée. C'est pas un peu cruel? Allez, détends-toi, on va simplement inscrire le nom de Maggie sur la liste. Elle se fera éjecter avant les élections et notre petite Tara gagnera évidemment ce qui lui revient de droit. Et voilà.
Tu lui ressembles. Tu as son menton. Tu as son regard. Et surtout ses gènes. Tu as un si beau visage. Tout le monde dit toujours que les gros sont un beau visage. Et un corps tellement laid, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Maggie. Je crois que tu te sentirais beaucoup mieux dans ta peau si tu essayais de te maintenir en forme, de t'entretenir. C'est pas parce que papa est mort du diabète que je suis forcément condamnée. Oh, ça, c'est sûr. Mais le médecin dit que si tu arrivais à perdre une douzaine de kilos, il y aurait moins de risques. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas essayer. J'ai essayé. Et j'ai échoué. C'est ça que tu comprends pas. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une mine de déterré. Oui. Rappelez-moi votre nom. Voilà ce que c'est que d'élever seule une ado. Moi, j'ai la chance de ne pas en avoir. Je leur donne des conseils et je les renvoie à la maison. Il faut faire une demande. Allez, vas-y. Déballe. Oh, ce n'est rien de grave. Ce qui m'inquiète, c'est que Maggie n'est pas vraiment de vie sociale équilibrée. Elle n'a pas de petite amie et pour couronner le tout, je la prive de sortie une semaine. Je connais plein de grosses filles qui sont parfaitement épanouies. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le poids. Je vous l'envoie immédiatement. Dès que je dis quelque chose qui touche même de très loin à la nourriture, tout ce qu'elle entend, évidemment... T'es un gros tas. Exact. Je ne lui demande pas de ressembler à une poupée mannequin. Mais je suis convaincue qu'elle se sentirait beaucoup mieux dans sa peau si elle pouvait maigrir un peu. Ça se peut. Mais beaucoup de filles squelettiques n'aiment pas leur corps. Hé, hey Maggie, félicitations. Ta mère devait être en pétard. Je t'ai pas vue tout le week-end. Je suis privée de sortie jusqu'à ce que mort s'en suive. Kazé, ça devient intenable. Je suis presque en âge d'avoir un bébé et je sais pas ce que c'est que le sexe. T'as essayé de discuter avec elle sans hurlement ni claquement de porte? Bien joué, Maggie. Mais qu'est-ce qui lui prend à lui? Peut-être que Bill Gates Jr. veut devenir ton nouveau fiancé. Quoi? Regarde le tableau d'affichage. Candidate à l'élection de Reine des Vies. J'espère exactement de ma part. Que tu renonces ou que tu intègres le programme de protection des témoins. C'est fou. Elle a déjà tous les cours de gym pour m'humilier, ça lui suffit pas. Liz n'attend qu'une chose, c'est que tu réagisses. Si tu flippes, elle gagne. Ouais, et si je laisse tomber, elle gagne. Et si je me présente et que je perds, elle gagne. Est-ce qu'il existe un cas de figure où elle ne gagne pas? C'est bien ce que je pensais. Pourquoi foncer dans le mur, bille en tête? Tu n'as qu'à abandonner, tout le monde s'y attend. Même si c'est vrai. J'avais espéré que toi, au moins, tu croirais en moi. Maggie! Belle perf, Maggie! C'est pas ce que je voulais dire. Tu te rends compte que quelqu'un l'a inscrite pour se moquer d'elle? Franchement, comme si Maggie avait pas déjà assez de problèmes. Moi, je voterais bien pour elle, ne serait-ce que pour changer des têtes habituelles. Moi, je voterais bien pour Tara, mais ce serait comme voter pour Liz et je préférerais me couper un bras. Un jour, Tara finira par en avoir marre qu'elle lui colle aux vestes. C'est clair. Tu veux qu'on en discute? Oui, à chaque fois que je crois toucher le fond, la bande des starlettes me prouve que je peux tomber plus bas. Ah, c'est le garce à la plastique parfaite. T'en étais une, non? Tu veux que j'aille parler à leurs parents? Seulement si t'as les moyens de m'offrir une nouvelle identité. Chérie, tout va très bien se passer. Tu vas aller les voir, tu vas retirer ton nom de la liste et crois-moi, vendredi, les chippies se seront trouvés une nouvelle tête de turc. Donc tu trouves normal que je renonce? Je croyais que... Quoi? Sous prétexte que je suis pas aussi jolie que toi, je peux pas être reine? Oh, Maggie, écoute, je crois que la plupart des gens ont, disons, une idée claire et précise de ce qu'une reine de promo doit être, de ce qu'elle doit refléter. Je ne veux pas que tu sois blessée. Alors parce qu'ils sont idiots, je dois renoncer.
Tu ne peux pas espérer transformer les autres. La seule et unique personne que tu pourras jamais changer, c'est toi. T'as lu ça dans ton horoscope ou quoi? Je vais manger une glace, ça vaut mieux. Vous désirez? J'aimerais goûter la fraise allégée. Bien sûr. De la fraise allégée? Pourquoi t'embêter à compter les calories, Trésor? Alors que tu as fait tout ce chemin jusqu'à la grande porte avec la petite cloche. C'est comme escalader le mont Everest et ne pas planter son drapeau au sommet. Alors donne-moi un pot de choco-biscuit beurre de cacahuète, rempli à ras-bord. Et un pot de chocolat. Je déteste cette cloche. Ma cousine nous a inscrites à la prochaine session d'intégration de la fraternité Kappa. Elle dit qu'on peut y aller passer un week-end quand on veut. Ça peut être marrant. Une petite virée sympa. Ouais, super. C'est quoi toutes ces brochures universitaires? Avec les notes que tu as, tu peux facilement intégrer l'UCS, non? J'ai jeté un coup d'œil juste comme ça. Hé, hey, c'est bien toi, Maggie? Ouais. Je suis Claire, et je trouve génial que tu sois candidate. Je le suis pas. Ah ben, c'est dommage. C'est la première année que je suis impatiente de savoir qui va être élu. Non, moi j'y étais pas, mais on me l'a raconté. Tiens, en voilà une question intéressante à aborder dans tes dossiers d'admission à la fac. Quelle caractéristique définit le mieux votre personnalité? Et voici ma réponse. Si tu t'imagines que le fait de concourir à cette élection va changer ta vie, tu te trompes. Et tu sais pourquoi? Parce que la seule chose que les gens verront jamais en te regardant, c'est une grosse. T'es vraiment obligée de tout gâcher. C'est la première fois que je suis un peu enthousiaste depuis qu'il est mort. Oui, après, tu es une ratée, boum. Une perdante, Maggie. Et les perdants ne gagnent jamais. Maggie, arrête. J'ai encore rien dit. Tu l'as pensé. Je vais concourir. Mais enfin, tu oublies Liz et toute sa clique. Elles vont te pulvériser. Ce n'est pas Liz Mitchler qui va me dicter ma conduite. Maggie, elles sont méchantes. Tu n'y es pas, Kazet. J'irai au bout, il le faut. Ça fait maintenant 3 ans que je suis moins que rien dans ce lycée et cette année, je veux que ce soit différent. Je suis d'accord avec toi. Ça craint d'être la femme invisible. Non, c'est justement ça le problème. Je ne suis jamais invisible. Les nuls et les intellos sont invisibles. Moi, je suis la grosse. Quand je rentre dans une pièce, les gens pensent que je ne vaux rien. Peu importe ce que je fais ou dis. Et résultat? La plupart du temps, j'ai moi aussi tendance à le croire. Alors rien qu'une fois, j'aimerais entrer dans une pièce et me sentir différente. Hey, attends. Bon. Il va te falloir un chef de campagne très balèze. Il semblerait que l'on ait relevé certaines irrégularités dans le processus d'élection de la reine du lycée. Mademoiselle Becker, apparemment, vous n'avez pas suivi la procédure normale de nomination. Je n'ai pas le profil classique des autres candidates au titre de reine de promo, mais je crois que j'ai le droit aux mêmes chances que n'importe qui. Mademoiselle Gabrielle, Becker est en train de décrédibiliser l'élection. Toute personne souhaitant concourir doit absolument réunir un total de 150 signatures afin d'être officiellement inscrite. Vous l'avez déjà dit, Liz, c'est pour ça qu'on est là. Laissez-moi jusqu'à vendredi et j'aurai les signatures. Je vous en prie, Mademoiselle Gabrielle, ne me rayez pas de la liste. Ce que j'ai du mal à saisir, c'est comment vous avez fait pour y figurer. J'en sais rien. Peut-être un imbécile qui a voulu faire le malin. Très bien. Je n'efface pas votre nom. Mais je veux voir vos 150 signatures au plus tard vendredi. Ce sera tout. Bon, tu préfères qu'on commence par les exclus ou alors par les rebelles? Maggie, il faut aller les voir si tu veux qu'ils signent. Et comment je fais? Tu sais bien que t'es la seule avec qui je parle au lycée. Allez, Becker, du nerf. Ouais, je sais.
Mais 150 signatures, c'est énorme. Pas de panique, on va y arriver. Pour pas être en reste, il a dit oui aussi. Tant qu'ils se font la tête et qu'ils se parlent pas, c'est tout bénef. Suffit de le savoir. Ouais, ça roule, ma poule. Va le voir et demande-lui. Lui. J'adore ce film. Je suis allée le voir au moins 3 fois. Je le connais presque pas. Salut, Gérode. Salut. Comme vous le savez, j'aimerais bien me présenter pour être reine. Et je dois réunir au moins 150 signatures pour ça. Maggie veut grimper sur le trône, hein. Non, attends, reviens. Allez, viens là. Ça peut se faire. Allez, donne-moi ça. Allez, passe. Elle n'a vraiment honte de rien. Regardez-la, mendier des voix, c'est pitoyable. Oh, arrête. Je voulais vous prévenir, je serai chez la principale pour compter les signatures moi-même. S'il lui en manque une seule, elle sera éliminée. Allez, on a besoin d'un coup de main. Voilà. Merci. Tu te rappelles quand Ryan t'a jeté dans la benne à ordures? Appelez ça la manœuvre de Baker, les amis. Qui veut clouer le bec à cette peste de Lise? Super, merci à tous. Merci. Salut, je suis Maggie Baker et je récolte des signatures. Ouais, je suis pour... au courant. Et je suis pas intéressée. Elle est nulle, ta campagne à la Robin des Bois. Excuse-moi? Ton petit côté, moi je défends les faibles et les opprimés. Je croyais que tu serais la mieux placée pour comprendre. Parce que je fais aussi partie de la secte des gros lards, c'est ça? C'est pas comme ça que je me vois. Quand bien même, je trouve qu'une fille aux cheveux bleus électriques a aussi son mot à dire dans une campagne comme celle-là. Cette élection, je m'en fiche pas mal. Toi, tu laisses penser à la bande des Pimbèches et compagnie qu'on veut tous qu'elles ont. Mais certains d'entre nous partagent pas leurs valeurs. Certains ont choisi d'être différents. Peut-être, mais d'autres non. Le club vidéo, Tammy Shaw, Mia Oliver, tu te souviens de Greta Borden? C'est pas celle qui t'avait renversé son verre sur le dos au carnaval? Et aujourd'hui, elle vote pour moi. Le club d'espagnol, Aaron Kirschig, Dan Harding... Le quarterback, il a signé? En fait, Molly Schwartz lui a dit que sinon, elle sortirait plus jamais avec lui. C'est formidable, je suis contente que tu t'amuses. Qu'est-ce que t'entends par là? C'est bon de se divertir, ça fait du bien. J'ai pas fait ça pour m'amuser, j'ai fait ça parce que... Tu comprends vraiment rien. Je ne voulais pas minimiser l'enjeu, mais toi ne lui donne pas plus d'importance qu'il n'en a. Je ne sais même plus comment s'appelait ma reine de promo. Dans 20 ans, tu l'auras oublié aussi. Sauf si c'est moi qui gagne. Et comme promis, le club d'échecs, l'équipe de natation et le club de BD. Donc ça fait 39 plus mes 42. Maggie en a eu 56. Ce qui nous fait un total de 137. Plus que 13 à trouver. Il y a aussi la bande de déjantés. Peut-être qu'ils planeront, mais je parie qu'ils signeront. Ouais, j'irai les voir après le déjeuner. Je crois qu'on a fait le tour des groupes. Il nous reste le porte-à-porte. Allez, moins de 15 signatures à récupérer. Comme si c'était fait. C'est fou le nombre de gens qui veulent rabattre son caquet à cette chère vieille Lizzie. J'espère qu'ils ne votent pas pour moi rien que pour l'embêter. On s'en fiche, la fin justifie les moyens. Merci à vous deux. Ma petite, t'es qu'un point sur mon écran radar. Alors pourquoi t'as pris mes signatures? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Est-ce que je suis une si grande menace à tes yeux? Vas-y, présente-toi. Ça m'est égal, c'est Tara qui gagnera. Et arrête de penser que tu vas révolutionner le lycée à toi toute seule. Je dois avoir mes signatures pour concourir. Ça, c'est pas mon problème. Salut Tara. Salut. Thank you.
Merci beaucoup. Allez, Baker, on se bouge. Non, ça sert plus à rien. Elles ont gagné. Non, il reste une chance. Je vous y prends. Pour Maggie. C'est pour Maggie. Il y a plein de monde en ce moment qui se démène pour toi. Alors lève-toi et prouve-leur que tu en vaux la peine. Allez, debout. Arrête-la, génial. Bon, ça fait gâter. Signez pour Maggie. Quoi, tout de suite? Reste une demi-heure. Dites, vous voulez bien signer? S'il vous plaît. Signatures pour Maggie Baker. Moi, j'en ai 41. Maggie en a 33 et je supervise cette élection. En voilà 17 de plus. Moi, j'en ai 11. Plus 37. Le compte, il n'essaie même pas de magouiller. Rassure-moi. Tu comptes pas porter ça, si? Quand ça? Quand on prendra la reine en photo. Tu es officiellement en compétition. Dis vive-moi. Je travaille trop, je suis crevée. Mon père est toujours sur mon dos. Inscris-toi là, suis des cours renforcés, garde une bonne moyenne, n'oublie pas tes activités extrascolaires. J'ai envie de hurler à chaque fois que j'y pense. Oui, moi aussi, j'ai rempli au moins 14 formulaires d'admission. Si je suis pas reçue à l'UCS, mon père me renie. Et toi, Maggie, tu vas aller où? J'en sais rien. Ouais, moi non plus. Tout ce que je veux, c'est suivre un cursus international. Comme ça, je pourrais partir un an en Espagne. On pourrait peut-être y aller tous les deux. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et celle autre tenue, plutôt. Tu veux être reine de promo, Tara, pas présidente du club de débat. Mais je suis la présidente du club de débat. Et si on se faisait notre petite virée chez les capas de l'UCS un week-end? Après l'élection, pourquoi pas? Oh, je suis pas libre. Ne me dis pas que tu as mieux à faire. Ben, mon père va m'emmener visiter des universités dans le Nord. Mais tu vas juste jeter un œil. Tu n'as pas vraiment l'intention d'y aller. Oh, je sais qu'on voulait s'inscrire à l'UCS, mais... en ce moment, j'ai envie de changer d'air et... C'est pas grave. Je te promets que j'allais t'en parler, Lise. Mais avec l'élection et tous les préparatifs, je suis sûre que ça fait rien, n'en parlons plus. D'accord. Dis donc, t'es sûre que cet ensemble fait pas un peu trop vulgaire sur les bords? Non. Moi, c'est ce que je porterais. Enfin, si j'étais candidate. Il faut que tu m'aides. Pour les dossiers d'admission? Tiens, Will, c'est prêt. Je m'arrangerai pour le maquillage, les chaussures et la coiffure, mais une robe de soirée, ça dépasse mon budget. As-tu au moins commencé à remplir les formulaires d'inscription? Qui te dit que je vais aller à la fac? Écoute, remplis les formulaires et on avisera après, chérie. Tu sais à quel point il est important d'aller à l'université. Je vais les remplir, ces fichus formulaires, mais toi, tu m'aideras pour la robe. Pourquoi tu mets pas ma cape de super-héros? C'est forcément une robe habillée? Évidemment, c'est pour l'élection annuelle de la reine du lycée. Mais les robes du soir à ma taille, ça court pas les rues. Tu sais que j'ai déjà deux hypothèques, Maggie. On est très juste niveau finance ces temps-ci. N'aie pas peur, rien n'est joué.
Si je gagne pas, j'aurai pas besoin de Ren. Une reine du lycée. Regarde-moi ses cuisses. Je parie que personne ne se fiche d'elle quand elle court. T'inquiète pas, Maggie. Si ça les amuse de dépenser une fortune, tant mieux pour elle. Tu crois qu'elle a des vergetures sur les fesses? Je suis sûre. Arrête! Elle, c'est une jolie cliente. Elle est ferme de partout. Casser le moule. Si j'étais vous, je casserais le moulage avec. T'es bien trop grosse, Trésor. T'es énorme. Regarde-toi. Tu es grosse. Tu es grosse, 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 grosse. Beaucoup trop grosse. Tu es grosse, ma chérie. Tu es tellement grosse, ma douce, tellement, tellement grosse. C'est ça, ma grosse. Sauve-toi. Cours. Maman, il y a Maggie qui va pas bien. Quoi? Maggie? Oh, Maggie chérie, qu'est-ce qui se passe? Arrête ça, calme-toi, respire. Ne mange pas ça. Pourquoi? Arrête. Tu veux que je m'arrête? Parce que je ne veux pas que tu te fasses du mal. C'est trop tard. Je suis énorme. Maggie. C'est ta faute. C'est toi qui m'as faite comme ça. T'aurais pas dû me laisser devenir obèse. Je suis désolée. Cette campagne n'est pas du tout ce que j'espérais et je crois que j'arrive plus à le supporter. C'est justement ce qui m'ennuie. Vous prenez cela trop à cœur. Je croyais que cette élection avait pour but de choisir un représentant de lycée et non de montrer combien d'argent on pouvait dépenser. Vous avez vu les affiches de campagne de Tara, elles coûtent plus cher que ma maison. Sans parler du message à peine déguisé, votez pour moi parce que je suis un sac d'os, mais ne votez pas pour Maggie car elle est grosse. Mademoiselle Baker, je crois qu'il vaudrait mieux pour vous et pour l'image de notre école que vous abandonniez la course. Donc vous voulez que j'arrête? Non, je veux vous protéger, vous et l'école, d'une situation qui pourrait se révéler douloureuse. Et être mise sur la touche, c'est pas douloureux? Je comprends que le fait d'abandonner vous rende amère, mais... Je suis venue vous voir pour ça. Alors ne faites pas comme si vous vouliez m'épargner un gros chagrin. Nous savons bien à quoi nous en tenir, vous et moi. Non, Margaret, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus embarrassantes qu'elles ne sont. Le vrai souci, ça n'est pas moi. C'est vous, mademoiselle Gabrielle. Vous et tous ceux qui sont embarrassés à la pensée qu'une grosse fille puisse devenir reine du lycée. Je regrette que vous le preniez comme ça. C'est une réalité. Je suis grosse, et si ce n'était pas le cas, vous ne m'auriez jamais demandé d'abandonner. Et rien que pour ça, j'abandonnerais pas. Et ça m'est égal si la situation vous embarrasse. J'abandonne pas. Comment t'arrives à te changer devant tout le monde? Arrête un peu de me considérer comme l'autre grosse du lycée. Excuse-moi. Si tu voyais les regards qu'elle te jette... C'est pas Camille qui décide de l'opinion que j'ai de moi-même. L'ennui, c'est que j'ai pas ton aplomb.
Cette campagne prouve l'inverse. Après la claque que tu t'es prise avec les affiches de Tara, moi, j'aurais couru m'enfermer dans un abri antiaérien. Je croyais qu'il n'y avait que les vendus pour s'intéresser à l'élection. Exact. Mais t'as pas cédé devant Liz. Et il faut du cran pour ça. John Baker. Eh, dis-moi, t'as voté, toi ? Ouais, c'est ça, je comprends. Votez pour Tara ! Votez pour Maggie ! T'as gagné, regarde, directement dans l'urne. Réfléchis, il faut voter pour Maggie. Bon, te fatigue pas, mon vieux, je vote pour Daniel. Obésité veut pas dire diversité. Je vais voter pour Maggie, je suis sûre que c'est pas elle qui a abîmé les affiches. Moi, je vote pour elle parce que je crois que si. Je conçois votre scepticisme, mais hier encore, votre fille est venue se plaindre à propos des affiches de Tara Conner. J'y suis pour rien, j'aurais pas fait ça. Est-ce que vous ou quiconque l'avez vu peinturlurer ses affiches? Non, non, pas maintenant, s'il vous plaît. Non, mais ça a dû être fait tard dans la nuit. Bien, avez-vous trouvé dans son casier ou même dans ses affaires des bombes de peinture ou bien des feutres? Eh bien, non, mais... Vous ne vérifiez rien, vous réprimandez ma fille, vous me téléphonez au bureau et vous m'annoncez que, même si elle était l'urène, vous n'autoriserez pas son couronnement à cause d'une faute qu'elle a peut-être commise, mais pour laquelle vous n'avez aucune preuve. Pas plus tard qu'hier, Margaret a utilisé le mot « sac d'os » pour décrire Mademoiselle Conner. C'est un peu troublant comme coïncidence, vous ne trouvez pas? Donc, une maigrichonne se fait un peu taquiner et immédiatement on met ça sur le dos de la grosse. Nous nous efforçons d'assurer le bien-être et la sécurité de l'ensemble de nos élèves. Si votre fille avait subi le même genre d'agression, vous exigeriez qu'on agisse. Ma fille se fait harceler, embêter et ridiculiser depuis le moment où elle a franchi le seuil de ce lycée il y a 3 ans. Et la seule fois où vous avez agi à son sujet, c'est pour lui demander de se retirer de la campagne. Quel genre de message est-ce là, Mademoiselle Gabrielle ? Très bien. Si on parvient à prouver qu'elle n'est en rien responsable de la dégradation du matériel de campagne de Mademoiselle Conner, nous accepterons de valider le résultat de cette élection. Merci. Je ne doute pas que vous conclurez à son innocence. Et si jamais elle est élue reine, soyez assurée qu'elle ne laissera personne l'intimider pour qu'elle rende sa couronne. C'est compris ? La gagnante ne peut pas assumer ses fonctions, c'est la vice-reine qui portera la couronne. Est élue princesse. Mallory Gilmore. Bravo, Mallory. Merci. Ne manquez surtout pas son ébouchon sur le sujet de l'essence dans la gazette du lycée de ce mois-ci. Et pour finir, notre reine de promo est... Maggie Baker. La vice-reine est Tara Conner. C'est génial, Maggie.
Ouais, c'est génial. Je te félicite. Cette journée m'a vidé. Je suis crevée. Tu veux qu'on se loue un navet des années 80 ce soir? Désolée. Je suis prise. Je dîne avec Devon. Tu as peut-être une couronne, mais elle, elle a un petit copain. Je m'étais pas rendu compte que vous deux, c'était du sérieux. Eh ben, si. Enfin, je crois. Elle te laisse en plan, là. C'est ma meilleure amie et je suis ravie pour elle. Oui, tu as l'air très heureuse. Quoi? Non, rien. Je suis juste étonnée que tu m'aies rien dit. C'est quand même important. De l'autre côté, t'es pas très dispo ces temps-ci. Après le coup des affiches taguées, j'ai pensé que j'étais fichue, mais... Beaucoup de gens ne m'ont pas cru coupable. Ou se fichaient que je le sois. Je doute que quiconque ait pu te croire capable de faire une chose pareille. Même si tu en mourrais d'envie. C'est gentil. En tout cas, je commence enfin à me sentir intégrée. Même si un tas de gens espèrent que je vais tomber gravement malade et que Tara va être couronnée à ma place. Il ne nous reste qu'à t'enfermer dans une bulle en plastique jusqu'à ce que tu aies cette couronne sur la tête. Maman, sans ton intervention auprès de Mademoiselle Gabrielle, j'aurais sûrement pas eu la moindre chance de porter cette couronne, alors merci. De rien. Merci Maggie d'avoir accepté cette interview pour le courrier d'Eagle Ridge. Voici ma première question. En quoi le fait d'avoir pour reine une fille forte peut-il faire peur aux gens? Allez-y, dites grosse. Je déteste le terme forte, ça me donne l'impression d'être un sumo. Dans ce cas, en quoi le fait d'avoir une grosse reine est-il inquiétant? L'élection n'est pas le seul problème. C'est pareil pour tout. Je vois bien les regards qu'on me lance tout le temps. Vous venez de le faire quand j'ai mangé du cookie. Vous vous êtes dit, elle devrait peut-être éviter ça. Je suis désolée. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Mais tout le monde le fait. Et je crois que c'est ça que je voudrais leur faire comprendre. Je suis pas sûre de vous suivre. Pardon, Mademoiselle Phillips, mais c'est normal. Vous êtes jolie et mince. J'ai passé toute mon enfance dans une communauté blanche du Minnesota. J'ai eu mon lot de problèmes. Et on a bien dû expliquer aux enfants qui étaient si méchants avec vous que c'était mal d'être raciste. Au contraire, le fait de détester les obèses semble tout à fait normal, comme si c'était une forme acceptable de discrimination. On attaque le sujet qui fâche. Est-ce que j'ai envie de maigrir ? Ma mère a très peur que je souffre de diabète, comme mon père. Et... je suis terrifiée... à l'idée d'en mourir. Mais ce qui me rend folle, c'est que... j'ai l'impression qu'on m'aimerait davantage si je perdais mes kilos en trop. Donc si vous savez que tout le monde vous traitera mieux si vous devenez mince, vous vous punissez d'une certaine façon? Je crois, oui. Je prends mon élection très au sérieux. À l'origine, c'était qu'une façon de me venger des petits malins qui m'avaient inscrite. Mais maintenant... je sais que je ne suis pas exactement le type de fille qui fait baver les garçons. Et je m'achète pas de vêtements tendance parce que... ils n'en font pas à ma taille. Mais ce que je veux vraiment aujourd'hui, c'est... être enfin acceptée. Ça n'a rien d'une blague. Pas pour moi. Vous pouvez leur expliquer. Une reine de promo improbable. Super, Maggie! Merci! Bien parlé! Merci! Bravo, Maggie! Merci! Maggie, attends! Tu les auras, Mag! Merci! Super article! Merci! Maggie, alors, t'as lu l'article? Ouais, Devon et moi, on s'est encore vus hier soir. Et t'en as pensé quoi? Il est excellent. Donc, mes parents étaient absents, on s'est mis à s'embrasser, et c'est devenu assez intense. Et c'est tout ce que t'as à me dire sur l'article? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était top! Écoute, Maggie, je sais que cette interview est importante pour toi, mais Devon est mon premier vrai petit copain et c'est important aussi, et j'ai besoin d'en parler à ma meilleure amie tout de suite. Oui, vas-y, je t'écoute. Donc, on n'a rien fait, mais je crois que je suis prête à me lancer. C'est trop tôt, tu trouves? Maggie, on peut se voir une minute à propos de la soirée de promo? Tant pis, t'as qu'à y aller. Alors, voilà comment ça se passe.
Écoute, je comprends que tu essayes de te montrer fair-play. Mais Baker n'aurait jamais dû remporter la victoire. Je m'efforce pas d'être bonne perdante. Elle a gagné et ça me va très bien. Donc tu vas la laisser voler ce qui est à toi. Liz, pitié, ne me dis pas que c'est toi la peinture sur les affiches. Tu rigoles? C'est pas moi. D'accord. Mais est-ce que ça serait vraiment si mal? Ma puce, t'es arrivée en deuxième place. Quand Maggie abandonnera, tu seras reine. Pourquoi elle abandonnerait? Bon, écoutez, cette élection, j'y ai participé parce que... Je sais pas trop, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Mais j'ai pas gagné. J'ai perdu. Alors s'il vous plaît, laissez-moi boire mon thé au lait, souffler un peu et oublier toute cette histoire une fois pour toutes. T'as vu comme elle l'a pris? Normal. C'est la dernière année qu'elle avait une chance d'être élue reine de promo. Ouais. Je crois pouvoir arranger ça. Les chars, ça devrait pas poser de soucis. Tenez, je vous montre. Et je pensais que ça va être super humiliant pour Maggie de s'écrouler devant tout le monde ou un truc dans le genre. C'est horrible. Enfin, c'est trop drôle, mais c'est quand même horrible pour elle. Et faut surtout pas manquer sa raison. Où est Baker? Trouvez-moi Baker. Maggie, attends! Je vais écrire un deuxième article sur votre élection. Je peux vous interviewer? Maggie! Faites tout là. Très important. Je suis désolée. Seulement quelques questions. Maggie, mademoiselle Baker. Mais fais attention. J'entends Maggie. Fais attention. Dépêchons-nous, Miss Catastrophe. Alors, que je vous explique comment on va procéder. Le char va avancer, mais vous, vous serez assise. Installez-vous sur le trône. C'était vraiment atroce. J'ai essayé de t'avertir. T'as rien entendu. Comme si ça leur suffisait pas de placarder des affiches « Votez Miss Monde » partout dans l'école ou de me faire accuser de vandalisme. J'en ai assez. Pourquoi Liz et sa petite bande de chippies ne me laissent pas tranquille? Est-ce que le fait de t'exprimer dans la presse vaut vraiment cette humiliation publique? Retire-toi de la course. Me retirer? Ou alors continue. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Que je rase la tête de Liz? Pourquoi pas? J'en sais rien. Oh, Maggie. À tout à l'heure. Et les coups continuent à pleuvoir comme avant. Personne n'aime une reine moche. Laisse la pin-up monter sur le trône. Laisse les choses reprendre la place qu'elles avaient avant. Mais la place qu'elles avaient avant ne me convenait pas. Nous ne savons rien de la façon dont le trône s'est effondré, n'est-ce pas? Évidemment. Après tout, une blague de ce genre n'est pas seulement dangereuse, elle constitue un bizutage, ce que notre lycée interdit formellement. Un bizutage? Mais Maggie n'est pas nouvelle. Savez-vous quelle punition nous réservons aux bizuteurs ici? Le renvoi temporaire, l'exclusion de l'équipe de foot ou de tout groupe tel que le bureau des élèves, et l'interdiction formelle d'en refaire partie pendant toute la durée de leur scolarité au lycée Bird, sans parler des conséquences pour leur entrée à l'université. Oui, c'est une chance que vous ne soyez pour rien dans cette mauvaise blague. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle avait rien contre nous. Oui, et je vous avais dit de laisser tomber. Oh,
Où t'as eu ça? Tu l'as laissé dans ma voiture. Je voulais t'aider, moi. Ça m'est égal. Blesser Maggie ne m'aidera pas. Laisse-la être reine. Elle en a vraiment envie alors que... je l'ai jamais voulu. Je te demande pardon. Tu avais l'air si mal. Lise a dit que c'était parce que... Oui, bien sûr, j'aurais dû me douter que Mademoiselle Machiavel était derrière tout ça. Trip, laisse-nous, s'il te plaît. Vas-y. C'était une idée tordue, Lise. Elle aurait pu se briser la nuque. Je m'excuse. Enfin, pourquoi? Pourquoi c'est si important pour toi que je sois reine? Je n'ai pas eu assez de signatures pour me présenter. Pardon? Tu peux pas comprendre. Toi, tout est offert sur un plateau. On n'a pas toute la chance de sortir avec des stars du foot ou d'être élu reine. Mais depuis 4 ans que je m'occupe de ta campagne, on me baise les pieds et j'adore. Ça me donne un peu l'impression d'être toi. À cause d'elle, je ne suis plus rien. Lise, peut-être que si t'étais pas si méchante avec tout le monde... Réveille-toi, Tara. On ne vit pas dans un univers merveilleux où tout le monde vous aime pour votre beauté intérieure. Dites-moi que je rêve. Les gens t'aiment parce que tu es mignonne. T'as peut-être raison. Mais au fond de moi, j'espérais que ma meilleure amie serait différente. Tara? Non. T'es sympa, tu me lâches un peu, d'accord? Parce que je vais être en retard pour les cours. Merci, c'est pas mal, non? Lise, t'as tout faux avec Tara. J'en sais rien. Peut-être que si cette histoire avec Maggie avait pas tourné aussi mal... Tu m'aurais pas quittée. Franchement, j'en sais rien. Écoute, je vois les choses autrement maintenant. Et en plus, on sera pas dans la même fac l'an prochain, alors peut-être que ça vaut mieux comme ça, non? Approche. Je te préviens, je vais te manquer dans ta fac du Nord. Après tout, je suis un peu le garçon le plus populaire du monde, pas vrai? Ça va être dur pour toi. Oui. Salut. Salut. Quel est ton premier choix, alors? Peut-être l'UCS, mais bon, s'il me refuse, je pourrais toujours intégrer la fac du coin et tenter un transfert. Comme ça, tu habiterais là? Oui. Et dans ton CV, pourquoi tu ne parlerais pas de cette campagne d'élection? Ça leur montrerait vraiment qui tu es. Bienvenue dans la vie d'une reine de lycée. Allô? Oui, volontiers, ça me paraît une très bonne idée. Oui, oui, 6h30 demain matin. C'est noté, vous pouvez compter sur nous. Tu es invité à l'émission Bonjour Greenville. Bonjour, ma fille et moi voudrions savoir si vous aviez... J'ai vu l'article dans le journal, bravo, j'ai dit à tout le monde que t'étais inhabituée. Salut Hélène, vous avez de quoi m'habiller? Oh, on a de très jolies choses, on a même des jeans pour une fois. Quand on pense que la taille moyenne dans ce pays est le 44, c'est fou qu'il ne soit pas fichu de faire des jeans XL bien coupés. Aujourd'hui, je veux quelque chose de plus classe, je vais passer à Bonjour Greenville. Dans ce cas, ma belle, on va te trouver une super tenue. C'est vrai qu'ils ont un beau choix de vêtements ici. Oui, toujours. Ça fait à peu près 3 ans que je viens ici. Hélène est très bon conseil. Y a pas beaucoup de magasins où je trouve mon bonheur. Quand je rentre dans une boutique normale, on me regarde comme si j'étais une extraterrestre. Alors? Ah, oh, tu es très belle. Maggie, tu es ravissante. Maman, on peut se payer ça? Tu vas passer à la télévision. Alors, on se débrouillera. Tu es magnifique. Alors, tu l'aimes? J'adore. Faut pas rater ça. Maggie passe à la télé. Nous sommes avec l'héroïne du jour, Maggie Baker. Malgré de sérieuses tentatives d'intimidation comprenant l'effraction de son casier pour lui voler ses signatures ou le sabotage de son char de défilé, Maggie est bel et bien la nouvelle reine de promo de Bird. Maggie, vous n'avez pas ce que beaucoup considèrent comme étant le profil type d'une reine de promo. Pourquoi avoir concouru? En fait, tout a commencé par une blague cruelle. Les élèves populaires ont trouvé amusant d'inscrire la grosse à l'élection. Une blague qui s'est retournée contre eux, semble-t-il. Au lycée, les gens pensent que c'est votre apparence qui définit ce que vous êtes. Mais c'est faux. J'ai décidé de me présenter pour leur prouver qu'on n'est pas forcé d'avoir un physique parfait pour représenter son école. Je représente tous ceux qui ne sont ni des pom-pom girls, ni de grands athlètes, et tous ceux qui ne fréquentent pas les boutiques branchées.
Maggie, si les élèves populaires qui vous ont inscrite étaient ici, avec nous, que leur diriez-vous? Je leur demanderais ce que j'ai fait qui justifie tout ce qu'ils m'ont infligé depuis le début. Toutes les insultes. Les magouilles de la campagne, le coup du char, je voudrais qu'ils m'expliquent ce que j'ai de si menaçant pour qu'ils veuillent à ce point m'envoyer au tapis. Certaines personnes vous considèrent comme un modèle. Quel message aimeriez-vous transmettre à d'autres victimes qui pourraient nous regarder? Soyez forts. Il y aura toujours des imbéciles autour de vous, mais ils ne pourront vous atteindre que si vous les laissez faire. Quand je me suis lancée dans la campagne, les gens ne m'ont pas apporté le moindre soutien. Personne n'a cru qu'une grosse pourrait battre la pin-up du lycée. Donc vous étiez vraiment seule pour affronter ces brimades? Totalement, oui. J'ai fait face alors que tous voulaient m'écraser. J'ai surmonté des tas d'épreuves et j'ai dû réunir 2 fois 150 signatures. J'ai mené une campagne très difficile et je l'ai gagnée. Et vous avez prouvé que la réussite était la plus belle des revanches. Oui, je crois que c'est clair. Hé, Maggie! Tu crains? Alors? T'as regardé? L'animatrice était trop sympa. Ouais, c'était bien la seule. Écoute, je sais que j'accapare la vedette en ce moment, mais ça t'ennuierait d'être un peu contente pour moi? Parce que tu l'es, toi, peut-être. Tu fais que rabâcher les misères que le monde entier te fait subir. C'est parce que j'ai critiqué ton cher petit copain que tu m'en veux? Non, t'es complètement à côté de la plaque, là. J'en ai marre de ton côté Maggie contre le reste de l'univers. Je me suis mise en 4 pour cette élection, comme beaucoup de tes amis, et je te rappelle que des centaines d'élèves ont voté pour toi. Mais certaines personnes ont essayé de me voler ma victoire. Alors ne les laisse pas faire. Attends, j'ai rêvé ou c'est toi qui m'as conseillé de tout plaquer après l'effondrement du char? Oui, mais tu t'es accrochée, et sincèrement, je trouve ça super courageux. Mais tu aurais pu remercier publiquement tous ceux qui t'ont soutenu, au lieu de taper sur ceux qui ont essayé de t'enfoncer. Mais enfin, Kazé, t'as vu ce qu'ils m'ont fait? Je sais ce qu'ils t'ont fait et c'est nul, mais tu es allée au bout pour montrer aux gens que tu n'étais pas une grosse fille bonne à rien. Et tu as réussi, alors où est le problème? On me traite encore comme si rien n'avait changé, Kazé. Non, Maggie, c'est toi-même qui te traite de cette façon. Tu te comportes encore comme une victime, alors que tu es sous les feux de la rampe depuis déjà quelque temps. Kazé, écoute! J'ai pas le temps, il y a Devon qui m'attend. Non mais tu l'as entendu? Elle a pas tort. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié cette interview à la télé. Donc j'ai le mauvais rôle, c'est ça? Les gens se sont moqués de moi, ils m'ont torturé. Et ils ont échoué. Alors si tu es encore une victime, c'est parce que tu choisis de l'être, ma belle. Kazé n'a pas du tout envie de te parler, là. C'est bon, la ferme, Devon. D'accord, j'ai compris. Kazé, laisse-moi, au moins que toi et Lise avez beaucoup de choses en commun. C'est vrai qu'elle s'est souvent conduite comme une peste, mais alors là, on peut dire que tu la rattrapes. Alors il suffit que je dise une bêtise à la télé pour que tu m'adresses plus la parole? Ça devrait pas te perturber, vu que de toute façon, je te sers à rien. T'as besoin de personne. La fameuse Maggie Baker s'en sort toujours seule. En tout cas, les choses ont changé pour moi. Le lendemain du bal de promo, les gens auront complètement oublié ta couronne et tu redeviendras la fille que je dois incruster dans les soirées parce que personne ne veut jamais l'inviter. Alors ça, t'en sais rien. J'en suis sûre. Rien ne peut changer si toi, tu changes pas. Et tu es restée la même. Tu es jalouse parce que les médias parlent de moi. Ouais, c'est ça. Comme si je voulais devenir la grosse la plus connue de Caroline du Sud. Hé, hey, attention! Kazé! Tu vas bien? Appelez l'infirmière. Je suis renvoyée? Pendant 3 jours. Ce sera tout. Je te demande pardon, Kazé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas continuer à m'ignorer encore longtemps? J'ai pas l'intention de t'ignorer, Lise. Je veux plus te voir du tout. T'es qu'une nulle. T'es qu'une garce.
Dure journée. Oui, toi aussi? Oui, ça m'arrive souvent ces temps-ci. J'ai jamais tagué tes affiches, tu sais? Je sais. C'était mon ex-meilleur ami. Alors toi, Elise, vous n'êtes plus... Je lui ai dit certaines choses qu'elle avait pas envie d'entendre. Comme tu l'as fait toi aussi à la télévision. Pardon d'avoir été un peu dure. T'as un peu exagéré, c'est vrai. Les élèves populaires sont pas tous des sportifs ou des majorettes, ou des chipies rancunières, si on va par là. Mais... j'ai apprécié quand t'as dit qu'on n'était pas forcés d'être tous parfaits. Quand t'as gagné, je savais que j'étais censée mal le prendre parce que j'étais pressentie pour être reine de promo. J'avais pas l'intention... Non, je sais. Mais je suis soulagée, en fait. Avant cet épisode, on ne voyait en moi que... la belle nana. Maintenant, les gens vont apprendre à me connaître. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. Oh, à propos. J'ai voté pour toi. Je le sentais. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle se présente. Je savais qu'il ne lui ferait pas de cadeau. Bien sûr. Parce que tu es comme eux. Excuse-moi. Est-ce que tu t'entends au moins? Tu es partie du principe qu'il ne ferait pas abstraction de son poids parce que toi, tu ne vois que ça. Tu la regardes exactement comme les crétins de son école. Ça, c'est totalement faux. Ça n'a rien... mais alors strictement rien à voir. Eux, ils voulaient la détruire. Alors que je l'aime, moi. Je veux juste la protéger. On s'en moque que tu sois animée d'excellentes intentions. Maggie croit que tout ce que tu vois quand tu la regardes, c'est un boudin. Une déception. Maggie s'est présentée à cette élection et elle a gagné. Tu te rends compte à quel point c'est fantastique? Tu imagines la force qu'il faut quand on a 17 ans pour crier au monde « Oui, c'est vrai, je suis différente. Peut-être que je suis pas un super mannequin, mais le fait d'être forte ne m'empêche pas d'avoir des qualités remarquables. » C'est dingue. Je n'aurais jamais osé à son âge. Non, moi non plus. Je sais qu'elle est épatante. Et je suis très fière d'elle. Mais je m'inquiète pour sa santé. Et en l'occurrence, le risque existe, il est sérieux. Je ne peux pas m'empêcher de croire que la meilleure façon de l'aider à aller bien, c'est d'essayer de lui faire perdre un peu de poids. Toi, par exemple, il ne t'arrive jamais d'avoir envie d'être plus svelte? Si, quelquefois. Il y a toujours des moments difficiles. Pour moi, le pire, c'est la pétasse du club de gym qui fixe mes cuisses dans le sauna. Alors, quel effet ça te fait? Je me rappelle immédiatement que je suis brillante, amusante, que j'ai beaucoup d'allure et que ma paire de flotteurs est bien plus grosse que la sienne. Qu'est-ce que je vais faire pour Maggie? Là, tout de suite? Tu vas filer d'ici et lui trouver une robe d'enfer. Ça va? Tu as à peine touché à ton dîner, chérie. Appelle les médias, Maggie Baker a sauté un repas. J'ai parlé à la principale. Elle dit que si tu veux toujours venir au bal de promo, tu peux. J'irai pas, ils ont gagné, tu peux leur dire. Si vraiment tu n'as plus envie de devenir reine de promo, c'est pas grave, mais ne sabote pas tout sous prétexte que tu as peur. C'est dingue d'être bouchée à ce point. T'as pas envie de commander une bonne pizza jambon ananas? Maman, ils vont mettre le feu au char. Mais jamais de la vie. Tu es une combattante. Aucun d'eux n'osera te toucher. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Qui voudrait toucher une fille comme toi? Je crois qu'une glace au chocolat s'impose, pas toi? Maman, le bal de promo n'y changera rien. Je sais qu'après-demain, je serai la même grosse nulle que j'ai toujours été. Non, tu te trompes. Elle dit n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas la reine et que je ne le serai jamais. Tu es la reine. Tu as vaincu à la loyale. Tu es une grosse. Et tu ne seras jamais rien d'autre qu'une grosse. Ça suffit, arrête!
Si tu veux montrer à tout le monde ton vrai visage, arrête de défiler. Voilà une bonne idée. Continue à encaisser les coups. Je ne peux pas le faire pour toi, Maggie. Comme si toi, tu avais le cran de leur faire face. C'est à toi de choisir. Mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas une solution. Elle ne sait plus quoi inventer. Il ne faut pas que tu la croies. Bon, maintenant, ça suffit. Je commence à en avoir ras-le-bol de toi. Tu n'es jamais satisfaite. Tout le monde me prend pour une moins que rien, mais je connais personne d'aussi méprisant que toi, alors... Désolée. Comment est-ce? Comment va notre victime préférée? Les réactions se sont un peu calmées après l'émission? Ou tout le monde continue à me haïr? Ils ont tous oublié. Enfin, presque tous. Ils font toujours le cochon ou pas? Tu rigoles. Ils ont trop peur que tu leur exploses la tête contre un vélo. Et toi, tu m'en veux? C'est vrai qu'avec ton numéro de martyr, tu m'as agacé. Je suis désolée, c'était la première fois qu'on prêtait attention à ce que j'avais à dire et ça m'est monté à la tête. J'ai détesté cette fille, c'était pas toi. Je voulais devenir une autre l'espace d'un instant. Ravi de te revoir. Comment va Kazé? Ça roule. Alors, tu veux toujours être la reine de promo? Je le mérite pas. Et c'est reparti. Faut toujours que tu ramènes tout à toi. Et ceux qui t'ont soutenu, ceux qui t'ont fait confiance, tu les zappes et comptes pas, c'est ça? Ils ont voté pour moi par pitié. Nicolas Sohn, ils ont voté pour toi parce que tu es toi. Oui, mais si je m'avise de poser un pied sur ce char, j'ai peur de me faire huer. Oui, ça se peut. Mais tu devras les affronter tôt ou tard. Je préférerai tard. On sait jamais si tu changes d'avis. Tiens-moi au courant. J'ai toujours pas de cavalière. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolée pour toi. Merci. Décidément, certaines ne sont pas faites pour être reines. C'est drôle, la vie. Genre pom-pom girl, esprit d'école et compagnie. Et je suis bien la dernière personne qu'on s'attendrait à avoir trôné sur ce char. Je sais ce que vous pensez. Cette grosse fille, reine de promo du lycée? D'habitude, ce titre est réservé aux plus populaires et brillantes d'entre nous. Je n'étais pas à ma place. J'étais à ma place nulle part. En terminale, quand ma mère s'est mise en tête de m'emmener visiter toutes les facs de la région, je voulais pas y aller. J'étais sûre qu'à l'université comme au lycée, je serais jamais que la grosse. Notre niveau en lettres est aussi très satisfaisant. C'est pourquoi nous figurons parmi les 100 meilleures universités publiques du pays, ce qui est excellent. Nos étudiants viennent de 14 pays différents et de plus de 30 états. J'avais besoin de changement. C'est une révolution qui m'attendait. Allez, bouge-toi. Faire visiter notre belle bibliothèque. Film. Choquant. Les belles filles sortent avec les beaux gosses. Tiens, ton dossier d'inscription à la fac. Super, j'ai plus qu'à avoir de bonnes notes et à gagner au loto. On trouvera l'argent. Maggie. Quoi? Génial, t'es allée fouiller sous mon lit? Tu as envie d'en parler? 37 secondes chrono. C'est le temps qu'il t'a fallu pour me rappeler mon poids. Thank you.
Je suis dans mon bureau si tu me cherches. Je t'aime, chérie. Swear my love to you. Swear my love is true. Tu es jolie sur cette photo. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va te maquiller. On va te coiffer. Et on t'a trouvé une robe fabuleuse pour le défilé. Mais maman, comment on va se payer tout ça? Ne t'inquiète pas. Maman a trouvé une solution. Maman a trouvé une solution. Bonjour, Kazé. Salut, Maggie. Je suis vraiment désolée. Moi aussi. J'ai jamais voulu que tu penses que j'étais une ingrate. Surtout après tout ce que t'as fait pour moi. C'est oublié, on n'en parle plus. À nous deux, jeune fille. Alors, prête pour la mise en beauté? Bienvenue à tous aux festivités annuelles du lycée Bird. Et maintenant, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle reine, Maggie Becker. M'avez épaulé, mais moi j'ai pas été à la hauteur. Il aurait été tellement plus facile pour vous d'élire une reine à la fois belle et populaire. Mais au lieu de ça, vous avez choisi la difficulté. Vous nous avez prouvé que les étiquettes telles que sportif, intello, canon, déjanté ou grosse ne reflètent pas notre nature profonde, mais uniquement notre apparence. Nous avons fait un choix très différent cette fois, un choix vraiment très spécial, un choix dont chacun d'entre nous peut être fier. Alors j'ai décidé de marcher la tête haute à partir de maintenant. Et j'espère que vous en ferez autant. Maggie.
j'ai été élue reine du lycée, les gens ont cru que j'essayais de mener une espèce de révolution. C'était peut-être vrai. En fin de compte, j'ai pas changé le monde. Mais c'est moi qui ai changé. J'ai affronté mes peurs et je l'ai fait dans une robe d'enfer.